Salut à tous les amis, je suis Goldor Barbefer. Désolé, j'ai complètement zappé de faire une outro à la fin de l'épisode précédent. Ça a coupé un petit peu en mode à l'arrache. J'ai essayé de faire ça plutôt bien, mais c'est pas grave. Bref, on se retrouve dans le nouvel épisode, l'épisode 2, pardon, de Fallout. Au moment où on sortait du coup de cet abri, l'abri pour voir un petit peu ce qui se passe dehors et voir depuis combien de temps on a été cryogénisé. Yeah! La guerre ne meurt jamais, un petit succès, c'est cool ça. Oh, un piaf. Je peux l'avoir d'ici? Yeah! Fat! Alors attends, je voulais regarder un petit peu, voir ce qu'il y a un petit peu comme décor. Voyons voir. Putain, c'est joli, hein. Enfin, c'est... Enfin, vous m'avez compris, c'est pas joli, je parle graphiquement, parce qu'en plus je fais pas tourner ça au max, comme je l'avais déjà dit. Ouais, je vais clairement pas tourner ça au max, regardez-moi ça, oh là 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 là. Bouteille de Nuka-Cola, bouteille de Nuka... Radix, ok. Petit bouton. Ah, c'est là que le mec était. Mais je parle au niveau design en fait, artistiquement, enfin, comment dire... niveau level... pas level design, mais bref, vous m'avez compris. Bref, c'est bien foutu, c'est ça que je veux dire. Attends, mais j'avais dégommé un piaf là. Il était où le piaf que j'avais dégommé? Oh merde alors. Je sais plus où est-ce que je l'ai, c'est pas grave. On aura l'occasion d'en buter d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ventilateur. Cendrier. On n'a rien. Cartouche 10 mm, ça c'est cool ça. Donc qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire? Donner. Rentrez chez vous. D'accord. Ben rentrons à la maison. Hein. Allez, allez, en avant! Bien, la physique est pas mal. De toute façon, forcément qu'elle allait être pas mal la physique. Appuyez sur L shift pour sprinter. Oui, ouais, je me rappelle, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment de sprinter. Ah, on a le marqueur en bas comme avant avec ça y est, on l'a découvert donc ça s'est rempli en blanc. Quand c'est juste le contour, on l'a pas découvert. Comme par exemple la fusée. Ah, la musique. I don't want to set the world on fire. Okay. Par contre les comment ça s'appelle Les petits flamants roses sont indestructibles. Mais que j'avais pas vu. Y'a d'autres qui en veulent? Oh, un frigo. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un Nuka Cherry. Et des œufs. On s'en fout des œufs. Je garde mon arme avec moi parce que c'est vrai que. Faut que je m'habitue au fait qu'il y ait beaucoup de méchants. Steampack Radix. Impeccable. Radix, c'est des gélules qu'on peut prendre normalement pour déverrouiller nos vis. Ah. Merde alors. Putain, on a plein de trucs à déverrouiller, ça fait chier. On a aussi le truc dans la base, là-bas, en maître. Bon, on va suivre le marqueur de quête. On va suivre le marqueur de quête, voir un petit peu ce qui se passe. On va retourner à la maison. La maison a l'air d'être dans un sale état. Ah, il y a le... Cotsworth. Yep. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Au monde, monsieur? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour. Votre épouse et vous. Ils l'ont tué. On va être franc. Hein. Tué. D'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Non, mais c'est pas... Que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Je m'en fous. Nous pourrions peut-être jouer aux dames. Putain. Ou pourquoi pas J'ai l'impression qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Est-il avec vous? Il a été enlevé. A été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due
Ouais, en fait, il a pas l'air d'être trop conscient de ce qui vient de se passer. Mange pas pendant 200 ans. Quoi? Quoi? 200 ans? 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. What? Quelques minutes. C'est... En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie ouais, que enfin... j'ai deux bons siècles de retard pour le dîner. What the fuck? Petite collation. Vous devez avoir faim. Vous pouvez alors essayer de les persuader de se montrer plus coopératif. Quand vous tentez de persuader quelqu'un, la difficulté est indiquée par une couleur jaune pour facile, orange pour moyenne et rouge pour difficile. Cotsworth, tu faut le charisme. Un comportement un peu pour le étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Yeah, on a réussi. Oh monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Tu m'étonnes. La futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? D'accord. En fait, il est conscient de ce qui se passe. C'est juste qu'en fait, il voulait pas en parler, je pense. Qu'est-ce que tu sais, Cotsworth? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. Ah, il se fait du souci pour nous, c'est bien. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Bah merci. Merci, Cotsworth. C'est gentil. De rien. Oh, il est tout triste. Je suis suffisamment apitoyé sur mon sort. T'as raison, allez. Oh les cœurs. Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune. Non, elle est morte. D'accord. Allez. Je te suis. Allez. Je suis fier de vous servir, monsieur. OK, bah, moi aussi je suis content. On va faire une petite sauvegarde. Hop, petite sauvegarde rapide. Ok, donc putain, 210 ans! Oh là 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 là! Vas-y, Zoas. Ah, des mouches! Putain, il les défonce! What? Bon, bah écoute, je le laisse faire. Hein. C'est quoi ça? C'est un symbole de bandit, ça. Ça me fait un petit peu peur. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Des gens qui vivent. Ok, on va voir un petit, on va voir ce qui se passe. On le suit, on va le suivre, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, quoi que ce soit. Peut-être qu'on va trouver des informations. Attendez, si on se met comme ça, ça fait comment? Ok. D'accord, on peut rester en mode. Aïe. Je me suis fait tirer dessus par où? Aïe là. Ok, c'est pas très pratique, hein. Voilà. Voilà, mais je pisse le sang. Ah non. Réduis votre santé maximum. Ah merde. Ah oui, non, mais oui. Les dégâts de radiation ont réduit ma santé maximum. T'es sérieux? Ça veut dire que ça... Ça enlève des PV? Putain, ça fait chier, ça. Si on irradie, on perd des PV... Enfin, un pourcentage de PV. Putain, c'est la merde. Mais y'a rien ici, mon petit Cotsworth. T'es gentil, mais... Un drapeau américain plié. Enfin, je l'ai récupéré, je sais pas à quoi ça sert. Ah mais c'est vrai ici, ce sera pour les putain les décorations de maison et tout, ça va être génial. Aoucher, on s'en fout. Citrouille en plastique. Je suppose qu'il y aura aussi encore des crafts d'armes et d'armures à la con. Télévision. Je peux pas l'activer, elle est défoncée. Putain, mais si en plus on devra construire nos maisons et les décorer, mais ça va être énorme. Cotsworth. Y'a rien de plus. Ils ne sont pas là. Bah non, ils sont pas là, non. Et maintenant. Reprends-toi, Cotsworth. J'ai besoin de ton aide. Où est-ce que je peux aller? Vous pourriez aller en ville, à Concorde. C'est tout près d'ici. Mais les gens qui y habitent ne sont pas aussi posés que moi. Ouais, j'imagine bien.
Merci du coup de main. Bonne chance, monsieur. Vous retrouverez le jeune Sean, j'en suis certain. Je vais le retrouver. D'accord. Ok. Bon, bah à partir de... Il faut un bordel en passant. Bon, bah à partir de là, on fait ce qu'on veut donc. C'est ça? On est libre. Je suis libre. Libre. Ok, ça c'est bousillé. Avant, il y avait souvent, il fallait fouiller les boîtes aux lettres parce que dans les boîtes aux lettres, il y avait des petits bouquins, vous savez, qui augmentaient les compétences. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça maintenant. Je sais pas comment ça fonctionne le système de le briquet. Je sais pas non plus qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. Putain, ça fait chier. Cube de bois, smoking. Prendre le smoking. Ouais, c'est vraiment space. Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. On pourrait pas prendre ça, ce serait comme une arme, ça. Tant pis. Bon, on va se balader un petit peu. On va se balader et commencer à explorer, alors, par là-bas. Allons-y. On va sprinter un petit peu. C'est bien qu'ils aient rajouté le sprint, ça c'est cool. Avant, vous pouvez l'avoir, mais avec des mods. Ça aussi, hein, je doute pas que plus tard, il y ait des mods et tout. Pour rendre le jeu plus beau, déjà qu'il est super beau. Alors, j'imagine même pas comment ça sera après. C'est même triste, du coup, que j'en sois réduit à y jouer en moyen. Mais bon. Un petit peu comme tout, hein. Chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, généralement, surtout les jeux de cette rampe-là, c'est rare qu'on ait les PC pour, à moins d'avoir investi très dernièrement dedans. Ce qui n'est pas mon cas. Là-bas, il y a un symbole de maison, il y a un symbole de je sais pas quoi, il y a un symbole de fusée. On va aller voir la fusée. Oh tiens. Cartouche. Arme. Et une tenue nomade. Viande de chien et un démonte pneu, putain. Violent le truc. Alors attends, voyons au niveau de la tenue. Inventaire. Oui, les favoris, d'accord. Le pistolet, on va le mettre en 2. Mais c'est bon, on a déjà tout ce qu'il faut, c'est bon. C'est ce que je voulais voir, c'était les tenues. Tenue de nomade. Ah ouais, bien meilleur au niveau des résistances, aux dégâts et aux armes à énergie, mais moins résistante aux radiations. Pèse plus lourd cependant. Voyons. Ok, on est classe comme ça. On a l'air d'avoir un gros bide, mais bon, c'est pas grave. Avançons. Ah, c'est une station essence en fait. J'ai cru entendre un bruit. Red Rocket, parlez au chien. Oh, un chien! Bonjour. Hey, salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Putain, j'ai déjà trouvé un chien! T'as perdu ton maître? Ton maître, mon vieux. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Yeah! Hey. Commandez. Allez. Obtenir bouteille de bière. Ah oui, il peut me ramasser des objets. Genre, voilà, va me chercher Steam Pack. C'est énorme, il me le ramène. C'est trop cool. C'est super cool. Non, non, c'est bon, c'est bon. Viens avec moi. Chien a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que t'as trouvé? T'as trouvé quoi? Ça? Steam Pack Radaway. Ah, bien vu. C'est génial! Putain, j'ai trouvé le chien, putain, dès le début! Ah, je savais pas qu'il était là, c'est trop cool! Ok, bon, on a un chien. Génial. Attends, si je me m'accroupis. Se m'accroupit ou pas? Non? Je me mets en cachet. On n'a pas l'air de vouloir se cacher. Qu'est-ce que t'as trouvé? Arme? Qu'est-ce que c'est que ce bruit dégueulasse? Qu'est-ce que c'est que c'est? Des ratops! Touchez pas à mon chien, bande d'enculés! Ah putain, laisse-moi passer, laisse-moi passer! Ah, c'est pas en. Ça stoppe pas complètement le temps, c'est génial ça! Oh, il a. Oh, il le défonce! Oh, il a défoncé!
Ça va le chien ? Ça va aller. Les laboratoires Cambridge Polymer recrutent. Salaire compétitif, congé et... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. C'est génial ce truc. Ah, la jauge de critique augmente. Ok, au fur et à mesure qu'on tire. Il y avait une barre en fait qui augmentait au niveau jauge de critique. Circuit imprimé de qualité militaire. Et de la scie. Putain, mais c'est dangereux, il y a du monde partout ici. Ok, donc continuons à visiter donc l'intérieur de ces trucs là. Scotch fusible, tout ça on s'en fout. Ok, donc les ratops maintenant ils sortent du sol. On peut fabriquer des trucs. Oh putain, c'est vrai qu'on pouvait. J'avais vu qu'on pouvait améliorer culasse standard. Ah, il faut des trucs de l'acier, des engrenages, de l'huile, de l'adhésif, des vis. Des ressorts. Ok. Vous pouvez choisir des trucs. Oh putain, c'est trop génial. On peut changer le canon aussi. Ouais. Oh là là. Donc acier, aluminium, vis, adhésif. Du verre. Cristaux, fibre optique. Oh là là, il faut plein de trucs en fait. Il faut plein de trucs. Aucune amélioration. Électrifié. Oh là là. Oh là 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 là. Oh putain, à lame. Oh. Ok. Entrée, on quitte. C'est génialissime. Partageront automatiquement les objets qui sont conservés. Mais seulement si vous avez bloqué l'atelier dans le remplacement. Quoi? On peut stocker des trucs? Partageront automatiquement les objets qui sont conservés, c'est-à-dire... Transfert. Ah, mon inventaire dans l'atelier de l'intalier. Ah, ok. Donc je peux prendre des objets et lui mettre aussi des trucs dedans. Donc genre par exemple, est-ce que je peux lui mettre ce circuit? Mais il y a pas d'autres trucs. J'ai pas ramassé de l'acier, des trucs comme ça. Non. Alors si je fais T, stocker bric-à-brac. Ça stocke automatiquement les trucs, c'est ça? Ah non, mais paquet de cigarettes, drapeau américain, je récupère ça. Le réveil, je le laisse, je suppose. Donc ce qui fait que, si je regarde dedans... Voilà, j'ai déjà des trucs. Ok, j'ai déjà des trucs parce que c'est stocké dedans. Bien! D'accord, donc on n'est pas obligé de se trimballer avec tous les matériaux sur nous-mêmes. On peut les poser dans un établi. Parfait. C'est génial ça. C'est super bien. Donc il faut que je fasse gaffe alors à tout ce qui est circuit imprimé, plastique. Alors et l'atelier, ça sert à quoi ça? Des structures proches. Ok. Distributeur d'eau. Je peux le recycler? Recycleur, ouais. Ça donne du caoutchouc, du plastique et de l'acier. Mais je peux tout recycler en mode comme ça? Je comprends pas vraiment. Comment je fais pour me déplacer comme ça? Électricité. Cité générateur. Marqué pour recherche. Non mais donc on peut construire des trucs comme ça. Donc échappe. Maintenant V. Ok. Alors par contre du coup, j'ai récupéré des trucs ou pas? J'ai l'impression que ça va de suite là-dedans. Ouais, c'est rentré de suite. C'est bizarre parce que du coup, je peux tout péter juste comme ça en fait.
Poignée confort. Ok, non, il manque des vis. Entrée. Parce que si je fais V, je laisse appuyer de V comme il m'a dit, voilà. Et donc je recycle tout ça. Du caoutchouc. Ça, ça me donne quoi ça? Du plastique. Ça, ça me donne quoi ça? De l'acier. Ah mais je peux pas vraiment me déplacer tant que ça en fait. Ah des vis, ça par exemple, ça j'en avais besoin de ça. Ok. Attendez, et si je suis là, ça le fait aussi ou pas? C'est bizarre ce système de... Ouais non, ça le fait aussi. Ok. Ça veut dire que je peux me créer ma base à partir de là ou... Je sais pas trop, hein. Je teste. En fait, je pète un petit peu tout. Pour récupérer du coup des compos, voir si c'est possible après de se faire acier. Voilà, je pète tout, je pète tout, je pète tout. Voilà. Donc maintenant, du coup, si je vais là-dedans, est-ce que je peux améliorer des trucs? Par exemple, le canon. Je vais mettre un canon long. J'ai pas assez d'adhésif. Mais sinon, effectivement, j'ai récupéré les objets. D'accord. La culasse. La culasse, j'ai dit. Je peux rien faire non plus. La poignée. Ah, je peux mettre une poignée confort. Ce qui augmente la précision. Et pour une poignée de tireur d'élite, il faut quoi? Il faut un peu plus d'adhésif. Bon, je vais attendre pour l'adhésif au pire. Chargeur. Ok. Viseur. Viseur lumineux. Ah ouais, je peux avoir un petit... matériau nucléaire. Oh, d'accord. C'est tombé le truc. Ok. Compensateur, tout comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Pas grave. Bon, on se casse. Est-ce qu'on peut le faire depuis n'importe où? Je me pose une question. On va bien voir. Donc là, c'est de là où on vient. On va se balader par là, voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tour radio? Donc là, si par exemple, je laisse appuyer sur V. Non. D'accord, V, c'est pour changer la vue, là, par contre. Ok, donc il faut qu'on soit à proximité d'un truc. Très bien, très bien, très bien, très bien. Parfait, 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 parfait. Donc, dès qu'on rentre dans un endroit comme ça, avec un établi, il faut péter tout ce qu'il y a aux alentours pour récupérer les objets de compo. Je vois quelqu'un là-bas. C'est une ferme, ça. D'accord, c'est un symbole de ferme. Très bien. Amical ou pas? Bon, il a l'air d'être amical, sinon le chien, il lui aurait sauté sur la gueule. La ferme des Abernathy. Vous avez atteint le niveau 2. Ok. Comment ça se passe quand on... Maintenir tab pour ouvrir le tableau des aptitudes. Donc. Comment ça se passe? Ah, on peut rajouter une étoile. D'accord, donc dès qu'on l'augmente... On gagnera un point d'intelligence, donc si on met toutes les étoiles au taquet. D'accord, donc en fait, on peut continuer, on peut être à 10 partout. Ça marche. Comment je fais pour... Alors ça, on peut. Ça aussi, on peut. D'accord, donc on peut tout ça. Alors, voyons, ok. Je commence à comprendre. Par exemple. Les coups de poing affichent 20% de dégâts supplémentaires. Je suppose que ça doit augmenter. Travaillez votre swing. Les armes corps à corps. Et ça, c'est quoi? Protégez-vous des dangers des terres désolées avec les modules d'armure de base et de rang 1. Il faut au moins 3 de force. On a 4 de force, hein, on voit ici. 3 de perception, truc, charisme. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? L'achat baisse et augmente en votre faveur. Les dégâts augmentent de 5% face à une femme. Ok. 15% de dégâts en moins, c'est votre charge maximum augmente de 50 quand vous voyagez sans compagnon. Oh, c'est dommage ça! Genre, par exemple, si je fais ça. D'accord. 30% de dégâts, augmente de 100, ok, ok. Ok, donc... Et lui, c'est 20%. 40% peuvent désarmer la cible. Mais je peux pas descendre un peu plus ou bouger? J'ai que ça, on a que ça comme... Je veux dire... Enfin, c'est pas que truc, mais c'est pas grand chose quoi.
Science désarmée, ok, ok, rendre infirme, ou d'exploser la tête de... Ok, d'accord, on s'en fout. Ça c'est quoi? Pickpocket. Faire les poches est 25% plus facile, on peut mettre une grenade dedans. On peut voler les armes équipées par la cible, et on peut voler les objets équipés aussi. 20% de dégâts supplémentaires sur les trucs non automatiques. Ok, ça c'est quoi? Les résistances de cible sont affichées en mode svav, d'accord. D'accord, il n'y avait qu'un truc ici. Donc ça on l'a vu, ça c'est quoi? Mode svav. Quoi? Le chemin qui mène à votre objectif de quête le plus proche s'affiche en mode svav, ok. Les 6 packs rendent 40% de santé, c'est dit, ok, 60%, 80%. Toute la santé, et dissipe complètement les radiations. Oh là là, c'est complètement pété ça. Ah oui, il faut être niveau 49. Ouais, d'accord. Accéder au module d'armes de rang 1, 2, 3, 4. Les pistolets non automatiques. Désarmés, d'accord. 40, 60, ok, 80. Difficile à détecter. On peut trouver des trucs de richesse. Plus de munitions, alors je regarde juste ça par exemple. Plus de capsules. Ah ouais, quand on tue, on a des chances que les capsules jaillissent. Ok, d'accord. 5, 10, 15. Les amis, aussi, c'est pas sûr. Ok, d'accord. Ok, ok, mais on n'a pas plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà, mais. Bon, c'est pas grave. On va partir dans un truc flingue. Les pistolets non automatiques infligent 20% de dégâts supplémentaires. C'est ce qu'on a, non? Des flingues? Ou on va trouver plus de capsules, peut-être? Je sais pas, c'est bizarre. C'est space, hein, les points de trucs. Bon, on va prendre ça, parce que... On peut accéder au module d'armes de base et de rang 1. On prend ça. Comment je fais entrer? Confirmer le choix. Entrer. Très bien, donc j'ai commencé à augmenter ça. D'accord. Ok. Donc on peut construire des nouveaux, nouveaux types d'armes. Très bien, très bien. Oh, des bramines! Alors attends, on va parler au monsieur. Il a quoi, lui? Des tomates. Bonjour. Oh! Je te parle! Bah. Arrêtez-vous là. On est des gens paisibles et on veut pas d'ennuis. Faire affaire? Chose à vendre. Si vous voulez faire affaire, allez plutôt voir ma femme. Elle est là-bas, à de la maison. Mais attention, pas de coups fourrés. Je vous ai à l'œil. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Hein. L'agriculture, c'est pas de tourpeau. Dans les champs, tous les jours, du matin au soir. Sans compter qu'il faut constamment avoir des yeux derrière la tête. On se calme! Oui, il faut tout le temps se méfier. On ne sait pas à qui faire confiance ces temps-ci. C'est pas moi qui vous contredirai. Blake Abernathy. C'est la première fois que vous venez dans le Commonwealth? Non. Disons que je voyage un peu. Ça fait plaisir de voir une nouvelle tête. Et vous? Ça vous dit rien de travailler à la terre? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une ferme? Mon père vous aurait parlé de ces trois T. Terre, travail, tendresse. Il faut ok. Terrain. Il faut passer ses journées à trimer dessus, et il faut aimer ça. Ceux qui n'aiment pas ça ne font pas de vieux os. Un petit conseil, si vous montez une ferme, attendez-vous à avoir affaire au pillard. Pourquoi d'accord. Se trouver toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein? Mais il faut se protéger. Vous pouvez pour vous protéger, vous et votre famille. C'est pas si simple. Ils sont nombreux et bien armés. Si je les chassais, ils reviendraient deux fois plus nombreux. La dernière fois que les pillards nous ont attaqués, ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, oups. Elle est enterrée derrière la maison. Eh merde. Elle avait que 21 ans. Et ils l'ont abattue sans se poser de questions. Oh, dur. C'est pour ça qu'on a besoin des miliciens. Et le plus tôt sera le mieux. Ok, ok, ok. C'est dégueu, quoi. Son enfant, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. J'en suis désolé pour vous. J'ai pas grand-chose à offrir, mais... Les pillards qui ont tué Marie lui ont pris son médaillon. Il est dans la famille de Connie depuis des générations. On vous en serait très reconnaissant si vous pouviez nous le rapporter. Ça marche. Ça marche. Ne faites pas. Je retrouverai ce médaillon. Merci. Pour Connie, il est indissociable de Marie. Elle ne sera pas tranquille tant qu'on ne l'aura pas retrouvé.
Ok, je m'en occupe. Par contre, il y a un bruit bizarre. C'est toi qui faisais tout ce bordel là? Alors, on va prendre la quête, voir. Donner. Représailles. Désactive-moi ça. Salut. On va lui parler. Salut. Oh. Salut. Vous cherchez du boulot? On a besoin d'aide pour ramasser les melons. Si vous avez rien de mieux à faire, je vous donnerai des capsules en échange. Des melons? J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Allez. D'accord. Je peux donner un coup de main. Merci, c'est sympa. Faites ça quand vous aurez le temps, il n'y a rien d'urgent. Ok, mais les melons, ils sont où tes melons? C'est des tomates, ça, c'est pas des melons. Tomates, tomates. Tomates, tomates. C'est qui vend en fait? C'est toi, Connie. Connie. Vous n'êtes pas du coin, si? Putain, ils mettent un temps avant de réagir. Vous pouvez vous adresser à moi. Oui. Qu'est-ce que t'as en vendre? C'est pas grand chose, mais j'ai quelques fournitures de base. Munitions, médicaments, ce genre de choses. Ok. Trop con. Bonne idée. Alors. Un brassard droit en cuir. D'accord, on a des petites conneries aussi. Cargaison d'engrais, de bois, de béton. Ouah. Putain. Par contre, ça vaut la peau du cul. J'ai zéro d'argent. Ah oui, forcément. Je vais pas vendre les alliances, t'es fou, toi. La chair, je vends tout. Combinaison, drapeau américain plié, je le vends. Paquet de cigarettes, Radix. Bon, je vais garder les trucs, hein. Le smoking ça dégage par contre. J'avais des tenues, voilà, l'abri et l'abri. Je peux te vendre cette matraque, je peux garder l'autre. Coût total. Accepté. Quoi coût? Ah oui non mais ça, la flèche est vers la gauche, donc c'est ce qu'elle va me donner. Très bien. Très bien, très bien. Des pommates. Pommate. Il y a un genre de tomate. Disons que c'est une lointaine cousine de la tomate et de la pomme de terre qui résiste aux radiations. Pommate, okay. Fruits mutants, goudrelles. Même les plantes ont muté pour survivre aux retombées radioactives. Oh, il y a un chat. Il y a un chat là-bas. Très bien, je me casse. Comment il va le petit chat? Miaou. Miaou, miaou, miaou. Alors, la quête donc. Oui, putain, il commence à pleuvoir. Donc allons, allons voir cette fameuse quête. Carte. Récupérer les médaillons. Très bien. Allons-y. Allons-y, les amis. On va sortir le flingue quand même. Non, pas besoin pour l'instant. Fruit mutant sauvage. Ok, il y avait un fruit. Donc c'est là qu'il y aurait des bandits. Si je me mets accroupi, le chien il se met accroupi ou pas? Ouais, il se met accroupi. Génial. Ça c'est bien. J'y en pensais. Chut, 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 chut. Chut, chut, chut. Alors ça c'est la ville. Ah oui, non mais je m'en fous de Concorde. Il faudra qu'on y retourne mais pour l'instant je m'en fous. Pourquoi il pleure le chien? Allons récupérer ce qu'il y a dans cette maison là-bas au fond. Putain, ils ont buté une gamine de 21 ans comme ça là. En mode complet, on s'en bat les couilles. Quelle bande de bâtards. En même temps, c'est des bandits, hein. Bramine. Ah, couteau de combat, je prends. On peut ouvrir ou pas ça? Ah putain. Non, on peut pas. Cette ambiance qui se dégage quand même du jeu, c'est un truc de fou. Alors, on va sprinter un petit peu quand même. Parce que sinon, on va jamais y arriver.
Attends, mais c'est méga loin Ah non, c'est bon, c'est par là, ok. Je suis en train de me dire, mais jusqu'où il veut qu'on aille, l'autre con? Faudra que j'augmente mon endurance, hein. Si je veux qu'on commence à courir bien comme il faut et bien loin. Carrière ticket. Ticket, ticket. Comme tu veux. Donc c'est là où il va y avoir des bandits, je pense. Il y a des trucs qui volent par là. J'entendais des coups de feu, j'ai l'impression aussi. Restons cachés. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Il y avait un truc par là. Mais je sais pas si c'est amical ou pas en fait, c'est ça le problème. Marqueur me dit pas si c'est... Ah! Ok, c'est bon, c'est pas amical. C'est pas amical du tout. Je crois que je l'ai eu, ouais. Non, pas tout à fait. C'est bon, je l'ai eu. Oh putain, il y a des saloperies de... Putain, il y a des mines! Sérieux? Le mec il a jeté une grenade collante ou je sais pas quel merdier, ça a collé sur un animal. Sur un petit cafard à la con et ça fait boum. Bah par où je passe par contre? Par où je passe pour leur faire le cul à ces cons? Bonjour. Viens là toi. Putain, ça fait vraiment jeu de guerre par contre là sur le coup. Ok, c'est bon. Bien, bien, bien. Capsule, cartouche, arme, jambe droite de pillard. Sérieux, j'ai pu lui arracher sa jambe. En mode ok, alors je suppose que non, ça doit être un bandage. Je sais pas, c'est bizarre. On va bien voir. Il y a rien. Donc toi, je t'ai buté au loin. T'avais quoi? Un pistolet, un petit pistolet à la con. Cartouche. Alors qu'est-ce qu'ils appellent jambe droite? D'accord, c'est une armure en fait. C'est une petite armure sur la jambe droite. D'accord, on peut rajouter des morceaux d'équipement sur les trucs. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai comprendu où tu veux en viendre. De la vodka, pâté pour chien, des cartouches, bidon d'huile, support de tube. Je prends toutes ces conneries hein, parce que je sais pas trop à quoi ça peut servir, donc je récupère un peu tout. Dans le cas où on pourrait les utiliser pour crafter des objets. Pas envie de me retrouver à sec, enfin à court du moins, en mode ah merde, on pouvait le récupérer. Tiens, mais par où on rentre? Ah, mais quand même. Ok, rien du tout. Grand flacon. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc, ça, par contre, ça c'est bien. Un briquet, ouais, je ramasse. Je ramasse tout. Je sais pas qu'est-ce qui peut être utile ou pas. Ah, ok. Je croyais que ça allait s'ouvrir, mais non, c'est ça, c'est un chargement. Très bien, très bien. Merde, putain, l'épisode qui dure trop. Ah, mais je suis tellement pris dans le jeu, c'est compliqué. Ok. Ok, 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 ok. Alors, est-ce qu'il y a le système de tir critique? What? Ok, c'est pas très très accueillant comme endroit, hein. Loin de là. Putain, je fous un bordel monstre en essayant de faire dis... Putain, je suis vraiment une bite, hein. Je suis vraiment une bitasse. Ok, le chien t'a plus de tête, tu dégages. Ok. Ouais, je suis vraiment une bite. Je dis ouais, je vais essayer de le faire discret et tout. Premier truc que je fais quand... Attends, on va allumer les lumières. Voilà, wow. Support de tube à essayer. C'est ça. Alors, est-ce qu'il va me lâcher au bout d'un moment ou pas?
Oh, un fusil à double canon. T'inquiète pas. Inventaire. Arme. Alors déjà, je peux faire jambe gauche et jambe droite. Ouais, on peut s'équiper. Un masque à gaz aussi. Putain, on peut s'équiper de plein de trucs. Ah non. Ah non, je peux pas tout prendre en fait. D'accord, donc c'est soit la tenue, soit... D'accord, ok, ok, ok. Par contre, je veux le fusil à double canon, là. Ça, c'est... Aucun signe. Tu vois, aucun signe, je vais te mettre une décharge dans le cul, tu vas vite comprendre. Ok, donc il a lâché l'affaire. Merde, c'était quoi ça? Ah oui, bien sûr. Alors attends, on va le refaire. Bonjour. Yeah. Énorme. Moi j'ai dit oui. Quoi? Qui c'est qui tire sur le chien? Putain, y'en a un qui avait une sulfateuse ou une merde dans le champ, j'ai l'impression. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Oh putain, j'ai pas eu le temps. Il y en a un qui mitraillait. Ah, oh, je suis trop con. J'aurais dû garder mon pistolet et d'avancer comme un connard, comme ça, avec le fusil à pompe. Ouah, il a l'air balèze lui aussi. Bon, c'est pas grave. Les premières morts qui arrivent. Donc, du coup, on se met accroupi. Désactive ça. Et donc, lui là qui va passer là. Non? Il faut un terminal nécessaire. Bah ce terminal là. C'est trop sécurisé. Oh putain, faut une aptitude de pirate supérieur. Oh putain, fais chier quoi. Hey. Ah, ça pique ça hein. T'as aimé? J'espère que t'as apprécié. Non, non. Cocktail Molotov, putain. Je veux prendre le cocktail Molotov. Maintenez Alt, d'accord. Donc il faut s'en équiper. Inventaire. Cocktail Molotov. Ouais, ouais, ouais. Lave quoi? Mais il est où ce con? Vous êtes où? Un petit cocktail Molotov dans ta face. Ah l'enculé! Wow, 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 wow. Ah, attends, le steampack. D'accord, je me l'injecte comme ça, donc il faut que je fasse attention. Wow, 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 wow. Putain, c'est chaud, hein. Aïe, wow, la putain de bâtard. Mais il a une sulfateuse, cet enculé. Ok, il faut que j'attende pour que ça fasse effet. Ok. Un autre steampack. Mais je vois pas où il est, c'est en plafré là. Oh, je t'ai touché. C'est bon, je l'ai eu. Ça a l'air. Oh putain, mais c'est chaud, eh. Sérieux, et c'est vachement plus compliqué que ce que je pensais. Enfin, vachement plus dur. Les ennemis font vraiment super mal. Je n'ai pas d'épingle à cheveux. Putain, pas d'épingle à cheveux. Merde, il y avait de l'adhésif. Ça, il faut que je récupère ça. Alors, par contre... Je sais pas où il est l'autre, mais... pistolet... qui c'est qui avait l'arme automatique, là? Minigun, voilà. Minigun. On va rigoler. Alors, petite sauvegarde rapide quand même.
éviter de faire les cons. Merde, c'était quoi ça? Ok. Ok, ok, ok. Mais bon, avec ça, du coup, c'est bon, on est. On est Dieu, quoi. On pourra jamais, jamais perdre quoi que ce soit. Quand tu vois les dégâts que ça met, juste une petite rafale comme ça. Bon, c'est vrai que ça met du temps à charger, mais quand même. Oh putain, les dégâts de Brutas. Ok, donc là, on pouvait descendre par là pour arriver ici. Messieurs, dames, il y en a d'autres qui veulent discuter ou pas, là? Ou c'est plutôt calme? Je pense pas qu'on va me faire chier trop longtemps, hein. Médaillon. Ok. D'accord. Donc c'était l'objet de quête. Ah, j'ai des épingles, ok. A pour faire tourner le tournevis. Ok, relâcher A. Ok, Skyrim Power. Ils ont gardé le même système. Enfin, je dis Skyrim, mais Fallout, Skyrim, voilà quoi. Bon, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais enfin, je sais pas ce que j'ai fait péter, mais j'ai fait péter un truc. J'ai foutu le feu. Il y avait de l'huile partout. Putain, le chargeur. Charge assez vite quand même. C'est sur ça que j'ai tiré? Non. Non, je sais pas pourquoi j'ai foutu le feu au sol. J'ai dû mitrailler un tonneau sans faire exprès. Un tonneau rouge, hein, les fameux tonneaux. Oula, plein de radiation ici. Voilà. Alors, clé de la salle de renseignement, montre en or. Putain. Soit en métal intact. Je récupère tellement de merdier. Attends, on va repasser en vue normale. On va repasser en vue normale. Journal d'édition du soir. Je ramasse tellement de choses et je ne sais tellement pas à quoi ça sert. Ah, mais c'est sur ça que j'ai tiré peut-être? Non, même pas. Je pensais que les jerrycans pouvaient exploser, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils ont même gardé les mêmes bruits, c'est marrant ça quand même. Le bol. Merde, mais c'est du scotch, scotch. C'est pas du scotch. Moi je pensais scotch whisky, mais non. Alors par contre, bon, on va ranger cette arme. La salle de renseignement de je sais pas quoi là. Ici on a quoi? Circuit imprimé, paquet de cigarettes, un briquet à essence, terminal. État hors ligne, d'accord. Hors ligne, hors ligne, hors ligne. Ok, il y a tout qui est hors ligne. Est-ce que je peux pas activer quelque chose? Je regarde, hein, on sait jamais. Peut-être qu'il nous a envoyé ici justement avec le premier PNJ pour nous demander de faire une quête à la con. Ça, je prends. Ça, si je laisse appuyer sur V, non, il se passe rien. Parce que j'ai récupéré une clé à la con de... Mais je sais pas à quoi elle sert, ça qui... Attendez, on va rester en bas, parce qu'on avait visité le haut, mais pas le bas. Réacteur à fusion. J'ai récupéré un réacteur à fusion. Oui, tout va bien. Le truc bizarre. C'est pas grave. Bon, on se casse, hein. C'est pas par là. Alors j'avais vu un truc. Ah, mais ça doit être le tonneau rouge que j'ai défoncé. Alors ça. C'est verrouillé par terminal. Ouais, mais pas avec la clé, biatch. Une mini bombe nucléaire, donc ça je connais, c'est les mini nuques, hein. Manuel d'opération de. Bonus permanent, vous êtes plus difficile à détecter quand vous vous déplacez furtivement. Putain, c'est génial!
Un bonus constant, comme ça maintenant. Alors avant, on avait des bouquins qui nous permettaient d'augmenter temporairement les bonus, mais là, c'est constant. C'est énorme. De l'argent, pistolet, des cartouches. Une cuillère à soupe, je prends tout. Un torchon, par contre le torchon, bon, on va éviter. Le paquet de cigarettes, je prends parce que ça vaut des sous. Qu'est-ce qu'on a ici? Mine, viseur, l'argent. C'était une cache militaire. Bon, bah c'est cool. On a récupéré plein de choses là, on a fait les courses quand même. On a même récupéré un minigun, si ça par contre c'est pas OP ça, un minigun quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur la table? Petit biscuit, Nuka-Cola. Je me rappelle que le Nuka-Cola on pouvait le bouffer, attends, peut-être qu'on va voir. Est-ce qu'on peut prendre le Nuka-Cola? Ouais, ça j'ai compris, tu me fais chier avec ton truc, aide, soin. Non. Soin, et je peux boire le Nuka-Cola et attendre. Voilà, et ça régénère. Bon, par contre, on voit en rouge à cause des radiations les PV que je ne peux pas récupérer. Ça marche. Impossible de déchiffrer le code. Ok, d'accord. Je suis pas assez intelligent, faut croire. Pourtant, j'ai des stats au max, mais quasiment. Allez, rendons donc après cet objet à la famille qui va être bien contente. Et on va arrêter cet épisode là. L'armée américaine a largement utilisé la série des T-60 d'armure assistée après la bataille d'Anchorage. Ils ont fait des soldats équipés des armures qui ont tenté de maintenir l'ordre le jour où l'Amérique succomba à l'arme atomique. Ouais, mais putain, j'ai déjà le minigun, mais l'armure, j'avoue que si j'ai l'armure, ce serait génial, quoi. Déjà, le minigun, c'est pour ça que je prenais aussi cher, quand même. Je me disais, quand même, des bandits se faire défoncer la gueule comme ça, c'est chaud. Alors, l'établi. Ok, on peut vraiment rajouter plein de trucs. C'est chiant ce truc par contre. Poche, augmente la charge maximale, augmente les dégâts à main nue et tout. Oh là là, mais il y a tellement de trucs. Placeron de cuir. Oh oui, Ok, il y a du craft à mort, j'ai compris. Ça marche. Alors, carte. Hop. Direction la ferme. Voilà. Téléportation. L'adhésif est rare et permet d'effectuer pratiquement toutes les modifications. Ouais. Bah, je vais en récupérer plein. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, d'en ramasser un petit peu par-ci par-là. Voilà. Alors. Alors, vous avez trouvé le médaillon? Ouais. J'ai retrouvé votre médaillon. Vraiment? Alors, 100 capsules. Connie ne va pas revenir. Elle vous fera sûrement des ristournes après ce que vous avez fait. Ok. Servez-vous de notre atelier autant que vous voulez. Et on a récupéré. On peut utiliser son atelier. L'atelier qui est là? Si je laisse appuyer sur V? Ah ouais, je peux carrément tout lui péter, tu sais. Ah! T'es sérieux? Mais à satisfaire ses besoins pour faire. Oh, attends, quoi? Vous pouvez ouvrir le menu d'atelier dans la zone de construction en maintenant V. D'accord? Et donc je peux m'occuper d'eux? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est devenu ma base? Oh, t'es pas sérieux? Attends, déjà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Déjà, je voulais. Voilà, le niveau supérieur. Alors. Ça, je peux pas le faire, donc. Puisqu'il faut être niveau 13. On est bien d'accord. Donc, je peux augmenter la santé des Steam Packs. Ah non, mais c'est l'intelligence tout court, en fait. On peut augmenter carrément un point de force pour un point d'intel. Mode complètement gratos. Je peux aller jusqu'à 10 au max. Ok. Bon, on va prendre le farfouilleur, hein. Je pense pour les capsules. Ça me paraît être cool. Voilà. Donc maintenant on a ça. Alors,
Il voulait que je laisse s'appuyer sur V. Très bien. Les colons ont besoin d'eau, de nourriture, et d'un peu de confort de production. Donc vivre 10, eau 3, énergie ok, défense 0. Donc je peux... Mobilier, décoration, électricité, défense. Poste de garde. Je pourrais mettre un poste de garde. T'as par contre c'est chiant parce que... Non, non, mais non! Putain, recycle-moi ça. Recycle. C'est pas ça que je voulais faire. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas se déplacer comme je le veux. On est obligé de se déplacer sur le côté, là. C'est vraiment casse-couille. Impossible d'affecter. Alors, je peux aller sur la droite et comme ça, mais pas avancer Je peux juste reculer comme ça et aller sur la droite. C'est vraiment bizarre. Donc, par exemple. Ils veulent un poste de garde. Donc. Si j'en mettais un... genre, je sais pas, moi... Putain, ça fait chier que je puisse pas me déplacer comme je veux. Poste de garde. Comment je fais pour le faire tourner? Comment je fais pour le faire tourner? En fait, je le pose comme ça, quoi. C'est ça? Ah, d'accord. Pour le tourner, je le pose comme ça. Ah, d'accord. Les fabriquer, c'est eux. Ok, donc on a poste de garde et ensuite on a un autre truc comme ça. Affecter un ouvrier à l'élément de défense. Alors. Annule. Choisir. Oh non, mais ça c'est très bien comme ça. On est d'accord. Comment je peux faire pour affecter quelqu'un? Affecter un ouvrier. Toi. Ordre. Affecter. Yeah! Deux de défense donc. Il peut travailler sur plusieurs éléments de sa catégorie jusqu'à un maximum de 6. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tourelle. Pas mal ça, poser une tourelle. Par exemple. Si je pose une tourelle, comme ça. Attends, on va la mettre. Merde! Comme ça. Ah, j'arrive pas à la mettre comme je veux. Comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, il y a une tourelle. Donc, c'est bon. Ils ont tout ce qu'il faut. En colon, vivre, eau, énergie et défense, lit, bonheur. Il est pas bien, par contre, en bonheur. Non, 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 non. Voilà. Donc maintenant, ça y est. Blake m'a dit ce que vous avez fait pour nous. Pour Marie. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais si vous voulez acheter quelque chose, je vous ferai un prix. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse. D'accord. Trop con. Il répète ce que je dis, cet enfoiré. Donc on peut lui acheter des conneries. Alors, par contre, j'ai plein de trucs à te vendre, du coup. Parce que les pistolets, les armes ne s'usent pas, d'après ce que je vois. Donc je te vends un pistolet. Je te vends tout l'argent d'avant-guerre. Je te vends... 7 pistolets à la con. Parce que c'est des conneries. Hein. C'est vrai que j'ai récupéré des conneries. Putain, bol en argent. Boîte de cigares. Couteau de combat. Cran d'arrêt. Cuillère. Des montes de pneus. Tiens, je te vends ça. Un jerrycan. Donc ça, je le garde, par contre, hors de question que je le vende. Putain, des mines à fragmentation, ça. Putain, ça vaut chier. Ah ouais, mais elle a plus d'argent. Alors, attends. Tu veux me donner une cargaison de béton. Putain, c'est cher, ta cargaison de béton. Ça l'a pris. Comment je peux annuler? Ouais, annule-moi ça. Attends, je lui vends pour 262. Elle a que 166. Pourquoi ça vaut si cher, sa merde, là? Ah mais non, je suis con, non. Le prix est marqué sur le côté, 50. Ah non, mais c'est marqué là, 293, 400. Oh, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va réussir à récupérer tout l'argent qu'elle a.
tout en vendant le plus de trucs possible. Par exemple, les mines à fragmentation, ça vaut la peau du cul, ça. Ouais, je te vends ça. Le mini-nuque, on le garde, ça y est, hors de question. Putain, le mini-gun, ça vaut cher. Paquet de cigarettes. Réacteur à fusion, on garde. Le son en métal, steampunk, ça, on s'en fout. Je t'ai récupéré de ces conneries. Mais tellement, tellement de conneries. Voilà, bon, bah, ça va, là, comme ça. On est bien. Allez. Salut. Ok. Utilisez un établi un poste d'amour en Asie pour récupérer votre commande. Alors, où est l'établi? Ah, il est là. Donc j'ai récupéré ma commande, c'est ça? C'est bon là. Alors est-ce qu'on se fait notre base ici? Ah, mais c'est moche en fait ici. C'est dommage. C'est pas tip top. En plus ils sont pas armés ni rien. Putain, y a un chat qui gueule. En plus ils sont pas armés ni rien. Non, c'est vraiment pas cool. Je voudrais me faire plutôt une base plus ailleurs que là. Ça me plaît pas ici. Mais bon, au moins on a testé un petit peu. On a testé comment ça fonctionne. Bon! Ouais, je sais qu'il faut maintenir le V, j'ai compris, mais il n'y a rien d'intéressant, hein, on est d'accord. Voilà. Je pète tout, mais on s'en fout. Allez, on sauvegarde et on s'arrête là. Sauvegarde, j'ai dit. Hop, on va écraser celle-là. Une petite sauvegarde rapide. Et bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était Golter sur Fallout 4 qui apprend à jouer. Parce que c'est un peu compliqué. Il y a plein de choses. Mais c'est bien, tant mieux. Il y a plein de choses. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. À la prochaine. Et ciao ciao.